Salut à toi, Karim, de la chaîne Ragnarok. Alors, on a d'un côté des sociétés qui s'organisent pour ton bien, pour ta santé, hein, pour faire perdurer l'humanité le plus longtemps possible. Nous, on n'a pas ce projet-là. Oula, certainement pas. Non, on va lancer un petit projet. Alors, je ne suis pas le seul à le faire, il y a déjà quelques-uns qui l'ont fait, dans d'autres, sur un autre registre certainement. Nous, on va faire des t-shirts. Qu'est-ce qui dit celui-ci, celui-là? Les os hôpitaux, toutes les conneries que j'ai pu raconter pendant toutes ces années-là, histoire d'afficher fièrement que nous ne sommes pas des moujons, tout simplement. Mouchon. Non, il n'y a pas de mais. Donc on va vendre tout ça. Je ne touche pas un euro là-dessus pour les mauvaises langues. Tout va être redistribué aux associations ici et là pour les suspendus. Les personnes qui ont été traitées comme de la merde, au cas où tu t'en rappellerais déjà plus. Donc on a besoin de vous en amont, par contre. Un petit soutien, si chacun met un petit 1 balle, 2 balles, 3 balles, ça va très vite. Ce qui me permettra de payer les t-shirts. Et ensuite, je travaille avec quelqu'un là, qui va nous faire de très très beaux visuels dessus. Qu'est-ce qu'il dit celui-ci, les os hôpitaux, toutes les conneries qu'on a racontées jusqu'à maintenant. Donc tu peux afficher fièrement ta bêtise, ton envie de rigoler. Voilà. Et puis ça sera une espèce de signal de ralliement. Oh, enfoiré, un t-shirt, qu'est-ce qu'il dit celui-ci, celui-là? Et je vous invite, parce qu'il y a eu promesse, notre cher ami Florian Philippot, j'ai dit cher ami, qui s'est engagé, et je sais qu'il a une parole, à dire sur un plateau télé, alors ce serait super chez Morandini, hein. Comme étant une espèce de rappel aux questionnistes. Mais qu'est-ce qu'il dit celui-ci, celui-là? S'il fait ça, Florian, il nous régale. Donc, si vous êtes intéressé, on va pouvoir commander dans différentes tailles. On est en train de travailler sur les visuels. Un petit coup de main en amont, c'est pas de refus. On a compté, c'est à peu près un billet à 200 euros pour pouvoir faire à peu près 100 t-shirts. Donc, si ça vous intéresse, filez un petit coup de main dans le lien qui est dans la description. Je me répète pour les mauvaises langues, je dis ça aussi bien, filez-moi un coup de main si vous avez envie de le faire. Mais là, c'est pour les soignants. Je montrerai toutes les preuves, évidemment. Vous n'êtes pas ici chez un escroc, sinon vous appelez Julien Courbet directement. Allez, bisous à tous et merci d'avance.